Je sais pas quand c'est que la vidéo commence, vu que le téléphone il est tourné. Oui. Yo les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Puis, une nouvelle petite vidéo, je vais vous raconter le chapitre 4 de Fortnite. Il vient tout juste d'arriver. Je trouve ça un peu bête, mais c'est logique. Enfin, à la fois qu'il y a même pas un an, oui, il y a un an, on vient d'avoir le chapitre 3 et le chapitre 4 est déjà là. Normalement, il y a 10 saisons dans le chapitre, dans un chapitre. Bon, dans le chapitre 2, il y a eu 8 saisons. Mais là, c'est complètement bête. Je ne comprends pas. Bref, c'est super stylé. Les gars, ça vient d'arriver il y a 2 jours, 3 jours. Je sais plus. Mais les gars, c'est trop cool. Alors, je vais vous expliquer. Alors, bien sûr, par montage, il y aura des photos. Bah oui, bien sûr. Mais je sais pas si je pourrais tout avoir et tout mettre. Pareil, il y aura des bugs et tout. Donc, je sais pas. S'il n'y a pas tout, les gars, franchement, désolé. En plus, il y a eu une coupure. Bah, ça n'a rien à voir, mais il y a eu une coupure à l'instant, donc coupure d'électricité. À l'instant, donc je vais vous raconter tous les trucs. Pardon. Tous les trucs dans Fortnite, donc voilà. Alors, on va commencer, les gars. Juste abonnez-vous, likez si c'est pas déjà fait. Enfin, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Avec la cloche de notification, je vais commencer à sortir des vidéos. Peut-être des longues comme ça, vidéos. Peut-être 6 fois par semaine. Je pense que c'est cool. Ou voire 5, mais en tout cas, c'est vraiment cool, les gars. C'est super. Je suis super content. Donc, alors, tout d'abord, on va commencer. On a eu la map chapitre 4. En vrai, hein, elle est stylée. En vrai, elle est stylée. C'est bon, même si la forme, j'aime pas trop. Parce que voilà, la forme du chapitre 3 était clairement mieux. Mais je vais m'habituer. Elle est cool. Donc, on a un biome jungle. On a un biome. Pas de désert. Il n'y a pas de désert. Let's go. Parce que désert, on en a marre. De toute façon, moi, j'en ai marre. On a un biome neige, donc neige toujours pareil, hein, il était au chapitre 1, il était au chapitre 2, il était au chapitre 3, il est au chapitre 4, logiquement, chapitre 5, 6, 7, chapitre 10, c'est aussi nouveau côté. Il y a eu un biome ferme, forêt, donc forêt. Après, il y a eu un biome, c'est quoi déjà le thème de la saison? Médiéval, 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 pardon, je dis jamais, je dis pas bien. Donc on a eu des maisons médiévales, ça me fait penser à la saison 6, chapitre 2, art primitif. Donc franchement, je trouve ça cool, je trouve ça cool, c'est pas mal. Donc je vous afficherai là-bas, bien sûr. Donc on va passer au pass de combat. On va passer au pass de combat. Donc le pass de combat, on voit, il y a plein de skins nouveaux. Donc ça, c'est un skin surveille. Je sais pas s'il y a d'autres skins surveille, mais celui-là, on sait que c'est un surveille. Donc je vous mets... Oh là, non, je sais pas, le poste de combat, il est cool, il y a Geno dedans, je m'attendais surtout pas, je l'ai même pas reconnu, en plus dans l'événement il était même pas comme ça. Bref, du coup voilà, donc poste de combat plutôt cool, on a des trucs, bon moi je l'ai pas, je vais l'avoir. Technique de voir, t'as capté. Voilà, donc franchement il est stylé, on a... Un truc un peu, il me fait penser à Halo, je vous montrais Halo là et le skin du poste de combat qui ressemble à Halo. Franchement, enfin, j'ai rien à dire, ah le skin c'est ok, The Witcher. Alors, c'est pas Marvel, hein, mais. Ouais, le skin est. En plus, il y a encore des parties qu'on peut pas voir, donc voilà. Après, il y a les parties bonus, mais ça, on va pas assez bon, c'est juste des variantes en plus. Il y a, pardon, dans 10 jours, je crois, ou 11. Non, 10 jours, on aura les bonus, donc qui vont venir toujours 2 pages, ou 3 pages, non, 3 pages. C'est toujours la même chose, hein, les gars, c'est. Après. Ça va pas tout dire, je pense. Les amis, en termes de armes, on a l'Ascar. Oui, let's go, l'Ascar, les gars. Fortnite, vous voulez nuit blanche ce soir? Non, les nouveaux pompes, je sais pas tout vous mettre, je sais pas tout vous mettre, mais c'est tout le temps des nouvelles armes un peu gommettes, mais bref. On a un marteau, oui, les gars, pas le marteau de Thor, hein, un marteau, c'est dans The Witcher, je pense, oui, c'est ça, je sais, mais ah, il faisait que ça. Genre, tu pouvais juste donner des coups. Mais non, il y a un moment de rota. Je vais pas vous mettre les vidéos et tout, mais il y a un truc de rota de temps. Ça met un peu longtemps à recharger, mais ça va. Donc, on a aussi. Alors, ça, c'est un pompe. Vous allez me dire que ça, c'est un pompe. Un lance-épée. Explosif. Bon, j'ai essayé. Les explosifs sont pas si ouf que ça. Ça met pas trop de dégâts. Ça met 30. Eh, les gars, la nouveauté pour moi la plus cool, les motos. Let's go les gars, les motos, les gars, je suis trop content. Les motos, les gars, les motos, on peut cabrer. Cabrer, non, je sais pas si ça se dit, mais on peut faire des roues, quoi, mais pas longtemps.
On peut bah, faire des freestyles et tout, on peut sauter, on peut tirer en même temps. Ouais, genre ça tourne. Ouais. On peut sauter, on peut faire vraiment beaucoup de figures. Désolé, il y a mon frère qui lui aussi fait des vidéos. Bon. Bref. Donc vraiment beaucoup de trucs. C'est trop cool, c'est trop cool. Et la nouveauté, pour moi, vous allez dire, tu fais juste ça. Ça va inquiéter personne, mais les gars. La botte combat est plus là. Le truc, même au chapitre 1, il était beau. Pas la saison 1, pas la saison 2, je pense la saison 3 ou 4, 5. Mais ils ont fait ça, on sait pourquoi ils ont fait ça, ils ont même dit. Ils ont fait ça parce que dans notre actif, on pouvait faire ça, on pouvait mettre et tout. On peut pas profiter en plus à la zone, c'est pas comme là. Ce qui me dégoûte le plus. Pourtant, vous allez dire, ouais, c'est un truc de tout quoi. Ouais, je sais, mais les gars, c'est de la botte combat quoi. À chaque fois, toutes les saisons, au début, j'y allais pour découvrir la map et pour pas que les gens. Hop, donc. Fusion. Pour pas que les gens m'embrouillent, c'est chiant, voilà, bref, c'est pas grave. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je pense qu'on a tout fait, donc les moments de la carte. Alors, on a la bamboche, qui est venue bah, au chapitre 3, mais Romy. Il y a la forage, chapitre 3, pareil. Il y a la tour de Titel, je sais pas si je vais vous la choper. Ouais, donc aller dans une grotte, ah, ça j'ai beaucoup aimé. Avec un flûte à côté, mais j'ai pas pu le prendre. Bref, je vais pas raconter ma vie. C'est dans une grotte avec une grande ouverture. Vous pouvez le voir sur la carte, c'est assez facile à voir. C'est magnifique. Et on a une statue. Une statue. Alors ça c'est stylé. Merci fort. Non, ça va mieux. On a une statue en arbre où il y a l'héros. Et vous allez dire, ouais, c'est juste pour faire hommage. Enfin, pas hommage, mais bref. Et derrière, il y a un trou. Comme si c'était échappé. C'est, les gars. Allez. Allez. Bref, on savait. Et les gars, aussi, vous aurez plein d'endroits où il y aura. Je vais pas tous les mettre parce que je ne les trouverai pas tous. Comment dire? Des salles où il y a par exemple, il y a aussi des petites mises en scène où par exemple, ils font croire qu'ils sont à la plage avec un feu de camp à côté parce qu'il fait froid. Parce que oui, c'est de la neige au côté. Bref, c'est super cool. Donc, je pense que je vais j'ai tout dit. J'ai oublié de vous dire plein de trucs. Déjà, quand tu sprintes, quand vous sprintez, vous pouvez enjamber des trucs. En vrai, j'ai trouvé ça pas cheaté. Pas pour le plus, c'est juste stylé. Bon, nouveau truc. Aussi, les gars, les gars, le trailer. On aura aussi un bouclier. Bon, c'est pas maintenant, le bouclier, il est pas maintenant, mais on aura aussi les oiseaux. En fait, c'est un drone bizarre que t'envoies. En fait, tu peux le conduire, c'est comme si tu pouvais le conduire, tu peux voir la vue et tout. Bon, par exemple, toi, tu penses que t'es comme ça et tout le monde peut te tuer, enfin, t'es sur place, quoi. Donc, ça arriverait pas maintenant, le bouclier et le truc, ça arrive pas maintenant. Donc, faudrait attendre. En termes de collab, Mister Beast. Hulk et la grande nouveauté, Izuku Midoriya. Ouais, des coups, si on peut dire comme ça. C'est dans My Hero Academia. Et aussi dans le trailer, on voit la piège de truc de Nine Art dans My Hero Academia. Bref, je vous mets comment il s'appelle et sa tête, quoi. Enfin, son costume et tout. Donc, c'est exactement le même truc. Bref, c'est trop cool. Aussi, il a une Air Force. Je sais pas si c'est comme ça, mais bref, Bakugo. Voilà, il y aura un truc. Donc, c'est pas une collab juste avec des skins, on aura des pouvoirs et tout. Et les gars, moi je pense qu'on aura des coups, c'est sûr, on l'a vu. On aura du coup Midnight, je sais plus comment il s'appelle, parce qu'on a vu sa pioche. Donc, on ne peut pas faire la pioche. Allez, ouais, vous avez capté. Je pense qu'on aura Shoto et Bakugo de plus, les quatre, l'équipe. Dans la colonne Naruto, on a eu quatre personnes. Dragon Ball, 4 personnes. One Piece. J'espère que c'est pas 4 personnes. J'espère que c'est plus. Le petit rat à côté. Bref, je suis vraiment dans mon monde. voilà. Après, à la place de Shoto, je pense que on mettra la fille. Je sais plus, elle a des cheveux bizarres avec des petits trucs, je crois. Là. Bref, je sais plus. Donc, elle aussi, elle est connue, mais je pense pas qu'ils vont la mettre. Ou alors, ils vont faire une autre. Parce qu'il manque encore beaucoup de personnages connus. Hein. Mais bref, moi je pense que du coup Izuku il aura cette tenue-là, mais aussi la tenue avec où il a l'école là, l'école, je sais plus si c'est ça, avec la cravate verte et le costume blanc, bref, super cool. C'est juste, alors ça arrive pas maintenant les gars, hein. Ça va arriver au fil du temps. Donc on sait juste qu'il y aura juste trois collabs avec Witcher aussi, donc Hulk, Mr Beast et bah du coup My Hero Academia. Là, je pense que ça va être la plus grande collab de la saison, carrément, bah, du chapitre. Donc c'est super, la saison pas. Donc les gars, c'est la fin, j'espère que vous avez aimé. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était super cool de faire cette vidéo. Je ferai peut-être plus souvent, je sais pas, peut-être une fois par semaine.
Ah, il y a une mage là. Je sais pas s'il y a une mage. Parce qu'on est mardi, donc je sais pas. Abonnez-vous et à tous. À plus pour des nouvelles vidéos.